Ce soir, on est au 32e Gala Artiste qui se déroule au Théâtre Denise Pelletier et Montréal.tv sur le tapis rouge pour aller à la rencontre de vos artistes préférés. T'avais pas été animateur, qu'est-ce que t'aurais fait? Comédien! À part comédien! Réalisateur! À part réalisateur! J'aurais été sportif, soit joueur de tennis, nageur, mais aussi prof, coach. Qu'est-ce que j'aurais fait? Probablement enseignant ou psychologue. Ça nécessite beaucoup d'études, beaucoup d'empathie, beaucoup de volonté et beaucoup de patience, tout ça. Mais autant dans mon métier maintenant de communicateur, je suis appelé à souvent parler. Je pense que j'aime aussi être l'oreille attentive qui écoute. J'étais sûre que tu allais me dire joueur de hockey. Bien, sûr, écoute, honnêtement, tu as raison, j'aurais dû dire ça, mais j'ai vite compris que j'avais un manque de, comment on appelle ça, donc de talent pour faire ce métier-là. Donc. Mais je sais pas ce que j'aurais fait. Honnêtement, là, tu sais, quand tu dis que tu as une passion dans la vie, il n'y a pas rien qui me... Vendeur, peut-être. Vendeur? Ouais. Tu aurais été bon. C'est bon, peut-être. J'étais malheureux, mais bon. 32e Gala Artiste, c'est une grosse dose d'amour que vous allez recevoir. Mais quand on est un artiste, on fait aussi face à la critique. Comment tu deals avec ça? La critique, écoute, je tu sais, moi, j'ai appris une chose que dans le sport, t'es critiqué, t'es jugé, t'es applaudi, t'es encouragé. Dans les médias, c'est la même chose. Puis c'est pas seulement que dans le sport, les artistes en général. Tu sais, moi, en autant que ça soit pas mesquin, puis... Ben, quand c'est des critiques constructives, ça va. Un commentaire pour blesser quelqu'un, non. Mais pas du tout. Mais tu sais, si quelqu'un fait « Ouais, regarde, telle affaire, j'ai vu telle... » Tu sais, critique constructive, quand c'est constructif, ça va. Non, mais nous autres, on n'est pas là-dedans. Le monde est très, très chien. J'ai rien à dire. Les gens ont tiré très fin pour nous autres. Ben oui. Sincèrement, hein? On n'a pas des grosses critiques à date. Le monde, sont juste gentils. Dans le genre de métier qu'on fait, là, 100% des choses qu'on fait sont critiquées. Quand quelqu'un s'appelle Champignon 223, puis là, il se met à dire que t'es un ci puis un ça, faut faire la part des choses. Ça vaut ce que ça vaut, là. T'sais, quand tu t'identifies même pas et que tu te donnes un nom d'un personnage de Goldorak pour aller sur la place publique puis vomir sur tout le monde, ça m'impressionne peu, là, t'sais. Oh mon Dieu, les réseaux sociaux. ça veut tout dire. Réseaux sociaux, il y a vraiment beaucoup de bons. Et des fois, tu as des relations vraiment très proches avec des gens qui t'écrivent, c'est super. Il y en a d'autres qui sont moins bonnes. Et comme dans tout, il faut que tu apprennes à faire le tri dans tout ça et à te protéger de tout ça. Parce que c'est pas grave si Gertrude 24 t'aime pas. Peut-être que probablement tu l'aimerais pas dans la vie, toi non plus. Fait que c'est ça qu'il faut se rappeler. Est-ce que c'est difficile de percer? Est-ce que c'est difficile de percer? Noémie, toi, t'as quelqu'un qui a percé super bien. Oh, ben mon Dieu, merci! Je dirais que oui puis non. Je pense que ça prend de la détermination, mais je pense pas que c'est quelque chose de très difficile non plus. Si vous avez pas été comédienne, qu'est-ce que vous auriez fait comme métier? Peintre. Peintre? Oui. Mais pas en bâtiment. C'est une bonne question. Moi, la psychologie m'appelle beaucoup. Ça a toujours été quelque chose qui m'attirait. Puis j'ai déjà songé devenir psychologue un jour. Ben moi, mon rêve aurait été d'être un athlète professionnel. Mais il manque beaucoup de choses comme une shape, du talent. Ça se travaille, là. Non, pas tant. J'aurais adoré être un joueur de tennis. Ça aurait été mon rêve. Archéologue. Oui. Archéologue. J'aurais aimé faire quelque chose... d'aussi inutile qu'acteur, mais d'aussi essentiel.